Il a vocation à, comme l'on dit aujourd'hui, à être déconstruit sur l'essentiel de ses niveaux, puisque c'est un bâtiment qui est très dépassé techniquement, qui pose beaucoup de problèmes de gestion de fluide, de chauffage, de gestion de l'ensemble du bâtiment. Donc très très difficile à réutiliser et en tout cas très très coûteux et beaucoup trop coûteux. Donc il est dans une structure béton, donc dès que vous voulez modifier quelque chose, eh bien il faut casser le béton à l'intérieur. Donc vous imaginez ce que ça peut poser comme type de problème, alors que là on est sur une structure complètement différente, donc modulable, adaptable. Donc il a vocation à disparaître, et je pense que dans le paysage orléanais, personne. Je le pense, en tout cas, ne le regrettera. Il y aura notamment, alors il restera peut-être, ça reste encore à regarder très précisément, quelques éléments de l'actuel qui va devenir ancien hôpital. Il en restera peut-être quelques éléments très bas. Donc ça, c'est en train d'être regardé précisément. Et pour le reste, partie espace vert et peut-être un verger.